Bonjour, je m'appelle Jeff Ritz, je suis chercheur au CNRS, spécialiste en paléosismologie et je coordonne ce projet de recherche d'analyse paléosismologique sur la faille de la Rouvière, donc qui a cassé en 2019, qui a produit le séisme du Teil de magnitude 4.9. Et on fait une série de tranchées au travers le segment qui a cassé en 2019, un segment qui fait 5 km de long. Et on a ouvert à peu près une quinzaine de tranchées pour analyser s'il y avait des traces de rupture anciennes de l'époque quaternaire sur cette faille.